Avec la joie de rencontrer et Bruno Dumézil à ma gauche et Frédéric Ancel à ma droite par rapport à vous. Vous connaissez de nom Bruno Dumézil qui est un médiéviste qui a publié un nombre d'ouvrages tellement important que je ne vais pas en faire la liste maintenant. Il est professeur à l'université d'Arc-Nanterre, on l'appelle plus comme ça maintenant. Non, ça change depuis la semaine dernière. C'est encore changé la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. L'ancienne université par l'Ouest, non, Paris. Paris-Ouest, c'est ça Paris-Nanterre, maintenant, c'est encore chaud. Bon. Il a publié en septembre dernier un immense ouvrage avec plus de 130 collaborateurs qui portait sur les barbares, qui essaie d'interroger pas seulement l'histoire des barbares telle qu'on peut l'imaginer quand on lit un peu d'histoire romaine, ou quand on lit Astérix, ou qu'on regarde des films qui racontent la période antique assimilant ceux qui ne sont pas grecs aux barbares ou ceux qui ne sont pas de l'Empire romain à une forme de barbarie. Vous avez ici un ouvrage qui se veut une relecture sur plus de 2000 ans de la transformation du mot barbare, en disant finalement, est-ce qu'on parle de la même chose lorsqu'on est Périclès, lorsqu'on est Cicéron, ou lorsqu'on est Goscinny écrivant le scénario d'Astérix dans les années 1950. Il y a sans doute un grand nombre de changements derrière ce mot, et vous qui travaillez en culture générale la question de la parole, vous savez également que derrière la parole, il y a le mot, que derrière le mot, il y a la transformation. Et c'est cette transformation qui crée du sens, ce sont les transformations de ce sens qui créent notre culture. À partir de ce moment-là, il faut s'interroger sur les transformations de ce mot-là, barbare, et par un médiéviste antiquisant, moderniste, après je ne sais plus quels sont les milliards de casquettes qui sont celles de Bruno Dumézil, et celle plus contemporaine, du contemporanéiste de Frédéric Ancel, que vous connaissez, parce que dès qu'il s'agit de Moyen-Orient, son sang ne fait qu'un tour, et vous le voyez dans les médias, vous le lisez dans les articles, vous le lisez dans lui aussi ses très nombreux ouvrages sur les différentes questions qui portent sur le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, je leur demande un exercice a priori difficile, qui est de tenter de se caler l'un l'autre autour d'une série de questions que je vais leur poser, mais qui en fait va être assez facile parce que vous verrez que lorsqu'on a l'honnêteté de la geste historique ou géographique, lorsqu'on a l'honnêteté du savant, finalement, que l'on soit d'un bord ou de l'autre, on interprète d'une manière ou d'une autre, l'important est que les faits soient toujours là, on n'est pas, comme on disait tout à l'heure dans les fake news, et on est dans le fait brut et son interprétation. Je vais laisser la parole d'abord à Bruno Dumézil qui va nous exposer rapidement avec un certain nombre d'images la transformation du mot barbare, la transformation du concept de barbarie, et je laisserai la parole rapidement à Frédéric Ancel ensuite, et nous aborderons une série de questions. Là, vous aurez du temps pour poser des questions. Comme le sujet proposé était la géopolitique, je partirai de ce point de vue. On a quand même l'idée en France, et le mot revient presque toutes les semaines dans les médias, qu'il y a un moment où la migration, l'invasion, selon le point de vue que l'on peut avoir, a transformé complètement la société, notamment la société occidentale. En somme, on serait passé d'un monde politique uni, monolithique, bien clairement identifié, qui est l'Empire romain et toutes ses provinces, à un monde du partage, de la division, de sauvages un petit peu poilus, qui sont les barbares et qui ont donné naissance à notre identité européenne contemporaine. En somme, on serait passé de l'ordre de l'Empire romain un peu tardif à un désordre marqué par les barbares, qui ont quand même beaucoup de succès, il faut le dire, encore aujourd'hui, d'un point de vue positif, dans toute une littérature de masse. Pour expliquer cette transformation,
vous l'avez vu dans les manuels scolaires, vous le croisez encore dans les journaux, on met des flèches sur la carte. La flèche est un outil géopolitique majeur. On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière la flèche. Hein. C'est le problème sur la carte. Est-ce que c'est des peuples? Est-ce que c'est des armées? Est-ce que c'est des noms? Est-ce que c'est des identités? Mais en tout cas, les choses se sont déplacées. Les barbares étaient ailleurs. Ils sont arrivés chez nous et ils ont tout cassé. Le problème, quand on travaille sur les périodes reculées, c'est le problème des sources. Avec quoi fait-on cette histoire de la barbarie? À vrai dire, le mot existe indiscutablement, on va peut-être en reparler, mais quand on travaille sur les sources, il faut bien avouer qu'on travaille à partir de choses comme ça. Des vieux bouts de papyrus très mal conservés et quasiment illisibles. Ici, vous avez la seule lettre qui nous parle de l'arrivée de Clovis et de sa conversion. Vous constaterez que la lettre est pratiquement illisible, même pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin, c'est du boulot latin, mais avec la première lettre étant A, par exemple, c'est une espèce de deux C entrelacés. Et vous constaterez également qu'entre les lignes, vous avez un auteur du 9e siècle qui a essayé de comprendre quelque chose et qui visiblement n'a rien compris. Autant dire, vous avez ici un document du 5e siècle qui, au 9e siècle, était déjà incompréhensible. Il n'y a pas que quand vous faites des conversions de fichiers entre les lointaines années 90 et nos fichiers modernes que vous perdez de l'information. À chaque fois que l'on a transcrit sur un format différent, on a perdu des choses. Et l'essentiel des documents sur l'époque barbare, et notamment sur les grandes invasions, c'est ça. Pour être exact, les papyrus, on les a tous perdus, sauf une poignée comme cela, et ce qu'on a conservé, c'est les copies. Les copies de gens qui n'ont rien compris à ce qui a pu se passer à l'époque barbare. Par exemple, la première lettre de Clovis, envahissant le territoire, on l'a dans une belle copie du 9e siècle, qui nous dit « Un grand bruit est parvenu jusqu'à nous, vous avez pris le pouvoir selon le droit de la guerre ». Pour les latinistes, vous voyez en latin, secundum bellicum. Mais on est à peu près sûr aujourd'hui que le copiste qui a écrit ça au 9e siècle n'a pas compris ce qu'il avait écrit sur son original. Sur l'original, il avait écrit « Vous avez pris le pouvoir, vous avez reçu le gouvernement sur la province de Belgique seconde ». Vous comprenez que les choses sont différentes. Soit Clovis est un envahisseur, soit vous avez un conquérant. L'histoire de la barbarie, c'est donc des mots, pas très bien attestés, avec des sources rares, et une archéologie que l'on a tendance à surexploiter. Vous en avez entendu parler à propos de Jérusalem, mais c'est également le cas à propos de l'histoire de la barbarie. Si on travaille par exemple sur le passage essentiel qu'est le baptême de Clovis, nous conservons du baptême de Clovis un conduit d'évacuation d'1,10 m. En supposant qu'il y a eu un endroit où il a été baptisé et que l'eau s'est écoulée par là, la cuve a disparu, on n'a que le conduit d'évacuation, que vous pouvez interroger bien entendu. On va essayer de raconter les temps barbares. Pour raconter les temps barbares, en fait, l'histoire de la barbarie, c'est avant tout une histoire grecque, comme souvent. Ce sont les Grecs qui ont posé les concepts, qui vont être évolutifs à travers le temps, mais les concepts sont globalement fixés au 5e siècle avant notre ère. À l'époque où les Grecs cherchent à s'unir pour combattre l'Empire perse, il n'y a pas encore de Grèce, mais des théoriciens vont poser l'idée que nous, on est Grecs, les autres sont barbares. Pourquoi est-ce qu'ils sont barbares ? Parce qu'ils ne sont pas comme nous, essentiellement parce qu'ils vivent dans un endroit où il ne fait pas la même température. Le père de la médecine, Hippocrate, a une théorie très simple. Plus il fait froid, plus votre sang a tendance à se concentrer dans le cerveau. Vous êtes donc plein de sang, plein de vigueur, mais un petit peu bête sur les bords. Par contre, quand vous êtes au sud, vous avez moins de sang, vous pouvez mieux réfléchir, mais vous êtes lâche. Quand vous êtes au centre, vous êtes grec, donc vous êtes à la fois intelligent et courageux. Les barbares, tel que défini par Aristote dans ce discours très clairement scientifique, ce sont les gens qui habitent les climats froids ou les climats chauds. Dans tous les cas, les autres ne sont pas aussi intelligents que vous. Jusqu'aux années 1920, cette théorie, qu'on appelle la théorie des climats, sert à expliquer le colonialisme européen, en expliquant que parfois, quand il fait chaud, on n'est pas exactement ainsi. Ensuite, le barbare, on va le montrer. Le barbare, c'est une image dès l'époque des Grecs, alors il n'y a pas encore Astérix, mais on va le montrer comme un vaincu, pas habillé comme vous, bien entendu. Quand vous êtes grec, vous êtes bien habillé, c'est-à-dire que vous êtes globalement nu, alors que le barbare, comme son corps est laid, le couvre de vêtements. Quand on ne le montre pas comme barbare humain, on va le montrer comme barbare un peu animal. Le centaure, l'image de l'être moitié homme, moitié animal, c'est-à-dire moitié grec, moitié autre chose, va s'imposer comme image de la barbarie. Et puis le barbare, c'est aussi l'endroit où on a les relations anormales entre les sexes, c'est-à-dire par exemple les endroits où les femmes ont le pouvoir. Tout grec vous le dira, les endroits où les femmes ont le pouvoir, c'est la catastrophe, par exemple chez les Amazones. Et donc tout grec civilisé doit massacrer le barbare femelle.
Autre idée qui va apparaître très tôt, le barbare est un autre physique parce qu'il y a une autre couleur. Vous avez des vases qui illustrent la différence entre la civilisation blanche, la préférence, et la barbarie, disons, d'une autre couleur variable, trop blanche ou trop noire dans les cas qui suivent. Bien entendu, le barbare, il est dangereux. Parce qu'il est ailleurs, parce qu'il vous attaque, et là, vous allez avoir une représentation du barbare comme étant le guerrier par excellence. Il n'a pas que des défauts. Il est courageux, donc dès qu'il perd face aux civilisés, il se suicide, et vous avez énormément de représentations du barbare se suicidant, pour bien montrer que ces gens-là n'ont pas de véritable force d'âme, le barbare n'est pas véritablement un philosophe, le philosophe, quand il va au combat, combat jusqu'au bout. Les Romains vont hériter des pensées grecques en l'adaptant à une pensée géopolitique un peu plus moderne. Les Romains vont essayer de fixer des frontières à la barbarie, c'est-à-dire que désormais, il y aura un cadre politique. D'un côté, nous, de l'autre, les autres. Entre les deux, la frontière. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, quand vous fouillez un poste frontière romain, ça ressemble beaucoup à notre monde, vous trouvez essentiellement des papiers d'identité. Les barbares qui rentrent, et bien se font viser leurs papiers, se font dresser sur des listes avec leur nom. Quand ils sortent également, ils sont vérifiés, validés, estampillés, et chacun circule avec un moyen de montrer que l'on est soit barbare, soit romain. Il n'y a pas d'opposition radicale, c'est-à-dire que si vous êtes envahi, vous finirez par devenir romain, mais en tout cas, vous avez l'idée de la frontière, pour être exact, du mur. Les Romains établissent des murs un peu partout, entre eux et la barbarie. Le plus célèbre, c'est le mur d'Adria, au nord de la province de Bretagne. Lorsque les premières sources arrivent sur l'histoire des barbares, ben vous allez donc avoir tous les éléments grecs, les éléments romains. Et donc, si vous avez des barbares sur le territoire, c'est forcément qu'ils sont venus. Et effectivement, vous allez avoir des récits dans le premier Moyen-Âge sur les barbares. Puis quand les barbares sont arrivés, ben on les oublie pendant pratiquement 1000 ans. Pendant tout le Moyen-Âge, on ne parlera pas de barbares. Au XVIe siècle, par contre, les protestants arrivent, cassent un petit peu Rome. Bon, Charles Quint est catholique, mais ces soldats sont protestants. Et donc, soudainement, la barbarie fascine. Les barbares, ça devient autre chose. Ça devient les ennemis absolus de la civilisation, ou, si vous êtes protestant, ça devient les ancêtres. Et vous allez avoir, du côté suédois, des réflexions sur nos ancêtres les barbares, du côté des Allemands plutôt protestants, nos ancêtres sur les ancêtres les germains, qui étaient purs, qui étaient beaux, qui étaient blancs, et qui ont sauvé la civilisation. À tel point que chez quelqu'un que vous connaissez peut-être pour souffrir avec lui en philosophie, et que vous allez avoir l'idée que les barbares sont les ancêtres et que l'Allemagne, proprement dite, s'est gardée pure de tout mélange. Les Allemands sont les vrais barbares, évidemment pas casseurs de constructeurs. Du côté français, même chose. La guerre de 70 va amener à avoir une réflexion géopolitique sur la barbarie. Le barbare, bien entendu, c'est le mérovingien qui a tout cassé, mais c'est aussi l'Allemand à qui on essaie de rendre la politesse en préparant la revanche. Et donc, tous les petits-enfants de la belle époque vont recevoir des bons points montrant la barbarie, de façon à se préparer au retour des barbares lors de la prochaine guerre de 14. Également, au Salon à Paris, en 1880, tous les tableaux pratiquement ont pour sujet la barbarie. Il s'agit de montrer le barbare, qui n'est pas véritablement le barbare du passé, mais le barbare du présent, et qui est un petit peu de ton sur les bords. On va donc beaucoup réfléchir sur ces flèches et définir les barbares comme étant des peuples totalement stables, totalement pérennes, qui ont existé depuis tous les temps et qui, bien entendu, sont appelés périodiquement à revenir. C'est l'idée que vous avez, et on a parlé, jusqu'aux années 1980, dans cette œuvre majeure qui est Astérix chez Lego, qui va poser l'idée que bon, bah, les ancêtres avaient des casques à ailes ou des casques à pointe, mais indiscutablement, de l'autre côté du Rhin, vous avez des barbares. Et puis la barbarie, de temps en temps, elle peut disparaître. Notamment lorsqu'en 1962, De Gaulle et Adenauer scellent la réconciliation franco-allemande sur le lieu du baptême de Clovis. En disant, bon, les ancêtres des Européens, ils étaient peut-être un peu romains, un peu barbares, mais tout ça a fusionné. Et donc finalement, on va oublier les drames du passé, et on n'est ni véritablement barbare, ni véritablement civilisé. On est une religion, on est un espace acculturé. Quand on regarde ce que nous dit l'archéologie, ben, les mêmes problèmes se posent. Les barbares qui sont présents en Europe au 4e, 5e, 6e siècle de notre ère se font enterrer avec des armes. Est-ce qu'ils venaient d'outre-Rhin ? On peut débattre. Ils se faisaient enterrer avec des francisques, mais est-ce qu'ils s'en servaient tous les jours ? Ce n'est pas sûr. Ils se faisaient enterrer avec de très belles épées, qui ont beaucoup de succès dans la littérature hollywoodienne parce que c'est la base des épées de Game of Thrones, les fameuses épées damassées.
mais ces épées étaient de technologie romaine. Ils avaient des anneaux sur leurs épées. C'est l'origine de la légende du Seigneur des Anneaux, le Seigneur qui donne à ses guerriers les anneaux de dignité qui ont montré son lien. Mais les épées, elles sont parfaitement romaines et l'or vient de Rome. Ils avaient des bijoux que l'on a l'air de penser ethniques, mais tous les bijoux ont été faits avec des grenades du Sri Lanka et d'Inde. Ils avaient des peignes, autant dire qu'ils étaient bien peignés, pas perçus comme on les représentait. Autant dire que même en termes d'archéologie, le barbare, vous pouvez le représenter comme vous voulez. Simplement, de temps en temps, il y a des choix. Qu'est-ce qu'on voit dans les tombes? Ces gens-là se faisaient enterrer avec des seaux, ça sert à boire de la pierre. La seule preuve de barbarie que vous avez à travers toute l'histoire, c'est le fait de boire de la bière et pas de boire du vin. Par contre, bien entendu, chez les buveurs de bière, vous avez également des gens qui boivent du vin. Les mêmes hommes, selon le cas, changeaient d'apparence, quittaient le costume barbare, mettaient la toge, arrêtaient de boire de la Heineken et se mettaient à boire du château Pétrus. Abandonnaient la hache germanique et prenaient l'épée. Le barbare, c'est avant tout, en termes archéologiques, une question de stratégie. Donc, que l'on soit dans le domaine des mots ou dans le domaine des objets, vous pouvez voir le barbare ou ne pas le voir, c'est votre choix. Les éléments d'unité des peuples barbares ou germaniques qui ont été définis au XIXe siècle n'existent que dans notre propre définition des faits. Mon philosophe préféré étant Goscinny, je voudrais quand même le citer. Dans l'un des Astérix, vous avez cette scène mémorable d'un gouverneur romain corrompu que tous les autres et qui tente d'acheter la complicité de d'Astérix et Obélix. Et il leur sert des mets extraordinairement raffinés. Alors c'est des langues de vipères qui viennent de contrées parfaitement inconnues, tout à fait exotiques, mélangées avec des serpents plus ou moins velus, des grenouilles, etc. Et il attend évidemment que ça fasse son effet. Et là, il pense qu'ils vont tomber en pamoison. Et au bout d'un moment, il leur demande alors c'est comment? Et Obélix, évidemment, a mangé avec ses doigts, tout dégoulinant, et il répond salé. Et là, réellement, le Romain les traite de barbares. Et c'est étonnant parce que c'est l'un des rares moments où, dans l'œuvre magistrale d'Astérix et son comparse, en l'occurrence Obélix, il m'a été donné de réfléchir sur cette notion. Parce que, pour le Romain, c'est pas tellement la manière de se battre, c'est pas tellement la manière de parler plus ou moins bien latin. D'ailleurs, on n'en sait rien, en réalité, tout le monde parle latin dans Astérix et Obélix, en tout cas, on le suppose, mais c'est dans la manière d'apprécier ou de ne pas apprécier des mets extraordinairement précieux au regard, bien évidemment, de ce gouverneur. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. En géopolitique, on ne parle pas de barbarie parce que, c'est mon premier point, la géopolitique comme discipline, c'est-à-dire une démarche explicative des relations internationales, porte essentiellement sur les froids et sempiternels rapports de force. J'ai presque envie de vous dire qu'on est très objectif en géopolitique. Alors l'objectivité n'existant pas, bien évidemment, je vais vous en parler. L'objectivité pour un grand maître de la géostratégie ou de la géopolitique, même si à l'époque le terme est forcément anachronique, c'est-à-dire le chinois Sun Tse, il y a 24 siècles, chez un Clausewitz, un petit peu plus contemporain, mais mort quand même, prussien, 19e siècle. Bon, chez les penseurs de la stratégie ou de la géopolitique contemporaine, on ne parle absolument pas de barbarie. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de sentiments, on ne parle pas de valeurs, on ne parle pas de valeurs, on ne parle pas de comportement. On parle de comportement dans la paix ou dans la guerre, dans la diplomatie ou éventuellement en matière d'économie et de commerce, mais on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, je dis on, mon Dieu, l'essentiel des géopolitologues se contente de tenter de comprendre qui va l'emporter. Car l'historien, lui, sait qui a gagné la bataille. Le géopolitologue, lui, on lui demande qui va la gagner. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Eh bien, on essaye de comprendre où sont et quels sont les rapports de force. Et je vais vous dire, de ce point de vue-là, vous aurez beaucoup de mal à lire ou à entendre des géopolitologues vous disant « Là, la force A s'est quand même conduite comme une force barbare ou déguste ses plats salés à base de vipères poilus comme des rats, alors que la force B, pas du tout. » Non, on va vous parler du nombre de chasseurs-bombardiers que les uns et les autres peuvent mettre en avant. On va vous parler du nombre de la quantité de barils de brut dans une négociation portant sur le pétrole. On va évidemment vous parler démographie,
souvent d'ailleurs très très mal. La démographie n'explique absolument pas tout, en général elle n'explique rien du tout, mais on ne vous parlera pas du caractère moral ou moraliste. Et d'ailleurs, la morale est réellement l'ennemi, perçu comme l'ennemi, c'est le non-dit de la géopolitique. C'est essentiellement les rapports de force dont on parle. Et lorsque on fait œuvre d'humanisme, avec un H majuscule, eh bien même dans ce, j'allais dire, dans cette dimension-là, on évite soigneusement de parler de barbarie. La Charte des Nations Unies, la sacro-sainte Charte des Nations Unies, je vous dis sacro-sainte car c'est le texte à la fois fondateur de la Charte des Nations Unies, nous sommes en 1945, et c'est un petit peu, aujourd'hui, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, aujourd'hui, l'ossature du droit international. Alors, on y regrette énormément dans le préambule, quand l'espace... Alors, je vous donne lecture de la première phrase du préambule. « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre... » De la guerre ? De la guerre. Mais la guerre, elle peut être faite entre gentlemen. Qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. D'indicibles souffrances. À l'humanité tout entière. Autrement dit, on est là dans le concept et on ne cherche bien évidemment pas à stigmatiser qui que ce soit. Les prodromes de la guerre froide sont déjà visibles. Deux ans plus tard, Churchill parlera du rideau de fer. Il est bien évident qu'à San Francisco, en octobre 1945, les Américains ne vont pas immédiatement stigmatiser le régime effondré, mais dont on sait déjà qu'il va renaître, alors sous une autre forme évidemment, le régime qui prévaudra en Allemagne ou dans les Allemagnes. On ne va quand même pas le stigmatiser sur la base de ce qui s'est passé à Versailles en 1919 pour créer chez les Allemands une espèce de honte perpétuelle. On ne le fait surtout pas. On ne va surtout pas parler des exactions, alors appelons-les ici barbares, des soldats soviétiques lorsqu'ils ont conquis l'Europe orientale, notamment l'Allemagne, lors de la campagne de 1945. On ne parle pas de barbarie. Or, ce texte est absolument fondateur, fondamental, et aujourd'hui, en droit international, vous n'avez pratiquement, hélas, mais pratiquement que cette référence, et il n'y a pas de morale, et encore moins de moralisme, et par conséquent pas de terme lié de près ou de loin à la barbarie, et pas le terme barbare non plus, bien évidemment, dans cette charte. Le terme, vous le trouvez. Quand même, je vous rassure, ou je vous inquiète, si vous êtes très réel politique, donc je vous rassure, car vous êtes des petits cœurs tout tendres, pour l'instant en tout cas, c'est ce que Hugo Billard m'a dit, je, quand même, vais vous donner lecture d'un autre passage, très court, d'un autre texte qui lui aussi en principe prévaut en termes de droit international, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, souvent les géopolitologues ricanent, font un peu la moue et repoussent ça d'un revers de main, c'est pas très sérieux, ça c'est pour les ONG, et c'est pour les humanitaires, et c'est pour les French doctors, et c'est pour les, pour les gens au cœur vraiment trop tendre. C'est pas sérieux. Bah, c'est pas sérieux aussi quand même. Parce qu'elle a été établie, c'est vrai, un petit peu plus tard, édictée en décembre 1948, mais elle est constitutive des Nations Unies. Elle ne vaut pas moins que la charte. Et là, on en parle, le préambule, toujours, heureusement, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie. Tiens, ça y est. À des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, etc. J'ajoute que j'ai trouvé une édition dans laquelle, qui est commentée par deux personnalités tout à fait formidables, que sont Mario Betati et Olivier Duhamel, donc des constitutionnalistes et en même temps des juristes, un juriste et un constitutionnaliste, italien et français, qui commentent cette charte en disant la chose suivante: la Déclaration universelle s'oppose aujourd'hui aux avatars de la barbarie. Et les avatars de la barbarie en 1948, mais aujourd'hui encore en Occident, ça porte un nom, c'est le nazisme. Mais on va voir dans un instant, je me dépêche parce que l'œil ombrageux et extraordinairement professionnel du maître de séance, du maître du temps par conséquent, pèse sur moi. Je vais pas être trop long, mais on est là sur quelque chose qui est extraordinairement relatif. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour un Chinois de Nankin, le nazisme n'existe pas. S'il est très cultivé, il en a vaguement entendu parler. Mais pour lui, la barbarie, c'est les Japonais à Nankin en 37. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. J'y reviendrai dans un instant. Donc premier point, en géopolitique, en principe, on ne fait pas on ne parle pas de barbarie, car c'est un terme fondamentalement de type moral. Deuxième point que je voudrais développer, et là quand même, bonne nouvelle, et ça va peut-être un tout petit peu justifier ma très aimable invitation ici, parmi vous, ce sont les représentations. Alors moi,
J'ai un maître en géopolitique qui est Yves Lacoste, un géographe, maître et co-auteur, fondateur de la revue trimestrielle Hérodote et de la géopolitique moderne. Et Lacoste, si c'est un vrai théoricien, c'est pour plusieurs raisons, mais à mon avis, à mon sens, je le dis humblement, la raison principale, c'est la création de ce concept des représentations. La représentation, c'est simple, c'est une perception à la fois collective, identitaire, et sur des temps longs, chers à Fernand Braudel. C'est collectif, c'est identitaire, et ça s'exprime, ça se retrouve sur des temps, ça s'illustre sur des temps longs. Alors, dans les représentations qui sont un petit peu la pâte de la pizza de la géopolitique, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, car en géopolitique, lorsqu'on fait de manière sérieuse de la géopolitique, on travaille davantage sur ce qui fait se mouvoir les peuples dans la paix ou dans la guerre, les régimes dans la diplomatie ou au contraire dans l'usage massif et létal de la violence, j'ai nommé la guerre, bon, eh bien, ça se passe avant tout dans les esprits. Du moins, c'est ce dont je suis absolument convaincu, les problématiques économiques, commerciales, stratégiques viennent de au-dessus, après, de l'autre côté, derrière, mais fondamentalement, on ne fait ni la paix ni la guerre sans représentation. Car nous sommes tous, et ici, jeunes ou moins jeunes citoyens, mais là je parle à des individus, mais les représentations, je vous l'ai dit, sont aussi collectives. La France est une représentation. C'est aussi une réalité institutionnelle et économique, mais c'est aussi une représentation. Hein. La France est une idée. La nation, c'est une idée. Autant la République est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus établi dans les faits, autant vous n'allez pas pouvoir montrer la nation. La nation, c'est une idée. C'est Renan qui disait, en Sorbonne en 82, lors de son fameux discours sur la nation, qui disait que c'est une âme, un principe spirituel, et il ajoutait, c'est très joli, c'est un plébiscite de tous les jours. Mais on est dans les représentations, c'est une idée. Il y en a mille autres des représentations, et encore, pour ce qui concerne seulement la France. Dans les représentations, dans ces perceptions collectives, identitaires sur les temps longs, vous avez nécessairement, vous m'entendez bien, nécessairement, s'il y a eu, et il y a presque toujours, s'il y a eu hostilité, s'il y a eu rivalité de pouvoir dans le passé, il y a par conséquent représentation d'une façon ou d'une autre d'adversaires ou d'ennemis qui furent ou qui sont des barbares. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la guerre sans dévaloriser, le terme est très important, je le répète, sans dévaloriser intrinsèquement, fondamentalement, pour ce qu'il est de naissance, hein, l'adversaire ou l'ennemi qu'on a choisi à un moment A ou à un moment B. Derrière un horizon bleu des Vosges, vous avez toujours, quel qu'il soit, ces thématiques, l'horizon bleu des Vosges, c'est un instrument d'ailleurs thématique extraordinairement intéressant, presque toutes les nations ont eu ou ont un horizon bleu des Vosges. Eh bien, derrière cet horizon bleu, vous avez, ou vous avez eu, un ennemi, et cet ennemi, il est nécessairement barbarisé dans l'histoire nationale. Alors, je suis très sensible à ce qu'a dit Bruno Duvisier, à ce qu'a rappelé Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire que en 62-63 en l'occurrence, il faut quand même en finir avec ces guerres franco-prussiennes et franco-allemandes, donc on décide de purger dans une certaine mesure ce qu'on trouvera dans les livres d'histoire formidable, mais c'est venu d'en haut. C'est venu de tout en haut, et pas de n'importe qui, hein. Hein, c'est pas venu de M. Coty, j'ai beaucoup de respect à M. Coty, mais franchement, d'accord, voilà, vous aussi, bon, hein, c'est venu de Charles de Gaulle, c'était pas n'importe qui. Si vous voulez, il y a là une volonté de casser cet instrument, car la représentation est un instrument. Et la représentation géopolitique est un instrument, et lorsque cette représentation est négative vis-à-vis de l'autre, avec un A majuscule, eh bien, ça vous permet toujours, vous, je veux dire, régime politique, de le poser, cet instrument, et d'en faire quelque chose un jour ou l'autre. En cas de crise, au hasard, hein, de crise sociale et économique dure, hein, vous allez vous saisir de cet instrument, vous le dépoussiérez, et vous pointez le doigt sur l'ennemi extérieur qui, là, est forcément un barbare. Parce que si l'adversaire est quelqu'un de très bien, bah bonjour pour aller faire se battre vos soldats, hein, contre quelqu'un qui est très bien. C'est pas possible. Donc, le terme ne va pas toujours être employé, mais c'est quelque chose, et en France en particulier, on a là une représentation, la création de représentations de barbares extrêmement intéressante. J'ajoute un point qui me semble, là aussi, assez important. Il y a eu une évolution dans le sens qu'on donne, en France en particulier, au terme de barbarie. D'après ce que j'ai pu comprendre, apprendre déjà, et puis comprendre de ce qu'a dit et de ce qu'a écrit Bruno Dumézil, et j'ai lu bien évidemment, faites-en autant, eh bien, on a affaire sous l'Antiquité à quelque chose qui ne relève pas nécessairement de l'insulte.
Et le barbare, au fond, est quelqu'un de éventuellement différent, mais les critères, c'est ce que disait Robert D., il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein. Il n'y a pas de différence, il y a des critères de différence. Ça, c'est, pour moi, c'est très fondamental. Bon, eh bien, les critères, ils ont fluctué selon les espaces et selon les temps. Aujourd'hui, lorsque des juristes, lorsque des politologues, lorsque des French doctors parlent, ou lorsque des juges dans les tribunaux pénaux internationaux, après notamment le génocide du Rwanda, des Tutsis génocidés par les Hutus en 94, parlent d'actes de barbarie, là, on est sur quelque chose d'extraordinairement grave. C'est pas seul, entre guillemets, c'est pas seulement, voire pas du tout des étrangers, car les Hutus avaient la même couleur de peau, parlaient la même langue, avaient la même religion, vivaient sur le même territoire, en général faisaient le même métier, ça fait beaucoup quand même, hein, que ceux qu'ils ont assassinés du jour au lendemain, 1 million 3 mois, fallait le faire, bon, à la machette. Donc, si vous voulez, on est là sur quelque chose qui relève du crime. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de comportement barbare, on ne parle pas de comportement dégoûtant. De gens qui s'asseignent mal à table et dont les doigts dégoulinent de mets pourtant extrêmement raffinés et qui considèrent que c'est seulement salé, bon, on a affaire nécessairement au crime des crimes. Je dis bien le crime des crimes. Hein. Et la barbarie en droit international, mais également parmi les analystes des relations internationales aujourd'hui, eh bien la barbarie, ça relève du crime des crimes, ça ne relève même plus de la guerre. Car à la guerre, il y a des lois, parfois elles sont transgressées malheureusement, ben, des actes de barbarie. On appelle ça comment, des actes de barbarie à la guerre? On appelle ça les crimes contre l'humanité. Et un crime contre l'humanité, il est imprescriptible. Et le crime contre l'humanité se confond de plus en plus avec le crime de génocide. On l'a vu en ex-Yougoslavie, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu dans une large mesure au Darfour, donc au Soudan. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Hein. Le sens s'est modifié, il s'est criminalisé, il a pris une épaisseur beaucoup plus grave, beaucoup plus solennelle et juridique, hein, qu'il n'avait pas sans doute auparavant. Alors, dernier point pour conclure cette introduction. Je vous disais tout à l'heure qu'il c'est le premier des 7 points de mon introduction. Il faut relativiser, non, j'en finis, il faut relativiser, toujours d'abord parce que l'absolu n'existe pas. Ici-bas, je me permets de vous l'indiquer, ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas compétent pour en parler. Ici, certainement, votre encadrement plus que moi. Mais ici-bas, il n'y a pas d'absolu, donc on est toujours dans les valeurs relatives. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, c'est pas parce que chacun a son terroriste ou chacun a son barbare que la barbarie n'existe pas. Ça ne veut pas dire que, c'est pas parce que chacun voit midi à sa porte, pour reprendre le proverbe de Mme Michu, qu'il n'y a pas tout de même des actes qu'on peut qualifier alors, de barbares ou d'autre chose. Hein. C'est le langage est fait pour évoluer. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que pour le rescapé Tutsi du génocide de 94, le nazisme n'est pas le béaba absolu et l'étalon-maître de la barbarie, tout simplement parce qu'il ne l'a pas connu. En revanche, il a connu la barbarie du Hutu Power. D'accord. Le chinois de Nankin, en 37, si vous voulez, il a subi une barbarie qui n'est pas celle des... Vous ne connaissez pas le nazisme, peut-être qu'il l'apprendra plus tard. Vous ne connaissez pas. Lui, il a connu la barbarie, je ne sais pas dire pas comment on dit en mandarin, veuillez m'en excuser, ni en cantonais, je suis vraiment lamentable, mais je m'en renseignerai. Et ça, c'est, il faut bien l'avoir à l'esprit, hein, encore une fois. Je ne parle pas là de nécessité de relativiser des actes sous prétexte que chacun considère que ça c'est un peu plus criminel, un peu moins criminel, ou un peu plus violent, un peu moins violent. En revanche, il s'agit de bien, et la boucle sera bouclée, de bien comprendre les représentations de chacun en vertu et en fonction de ce qu'il a lui-même subi dans sa chair ou dans son histoire. Pas facile de reprendre la parole après ça. Vous avez dit tous les deux que la barbarie est à la fois universelle, évolutive et en même temps utilisée. Pour reprendre l'expression de Frédéric, on ne fait ni la guerre ni la paix sans représentation. Il y a quand même des symboles qui sont utilisés, des outils qui sont utilisés, des mots qui vont être utilisés, transformés, réutilisés, remasterisés, on dirait, avec un autre vocabulaire. Les éléments de continuité entre l'Antiquité et aujourd'hui, autour des usages. Je ne parle pas uniquement du poil qui pourrait m'intéresser moi. De ce qu'est un barbare, comment on le définit et comment on le représente. Il y a un très bel article poil dans le dictionnaire Bruno de Mézé, c'est pour ça qu'il fait allusion à Malcolm. En revanche, la question qui m'intéresse ici, c'est aussi dans l'Antiquité et à l'époque médiévale, quels symboles sont utilisés qui vont passer de dissimulés à 10 barbares, mais qui vont montrer une continuité politique, alors qu'on a l'impression,
avec les mots utilisés aujourd'hui, que finalement la définition de la barbarie ou de la non-barbarie se fait plus par les transformations du mot. Je pense au Moyen-Orient, à la manière dont on va définir l'État islamique, est-ce qu'on va utiliser l'expression État islamique, est-ce qu'on va utiliser Daesh, est-ce qu'on va utiliser ISIS, le terme anglais. Il y a beaucoup de termes qui à chaque fois ont une connotation politique spécifique, qui sont utilisés par certains types d'acteurs. Donc derrière cette question de la continuité et de l'usage des mots, j'aimerais bien vous entendre là. À l'époque où on faisait beaucoup de rhétorique, où on se posait la question de savoir comment désigner les choses, et notamment comment désigner l'autre, on a beaucoup réfléchi chez les rhéteurs grecs puis romains sur la façon de décrire la barbarie. C'est tout simple. Pline le Jeune décrit, il dit que pour expliquer ce qu'est un barbare, il suffit de réciter le nom des chefs. Et plus vous avez de lettres étranges, de K, de W et de H, et plus vous êtes en face de la barbarie. Vous constaterez peut-être que c'est la même chose qui s'est fait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand on raconte l'histoire des grandes invasions, tous les noms des chefs sont repris, on rajoute des K, des W et des H, de façon à ce que ça fasse bien barbare. Et donc, vous avez un choix qui est tout simple. Le choix des graphies complexes, c'est une façon, à mon avis, de montrer la barbarie. Oui, c'est très juste. Sans aller jusqu'à la barbarie elle-même, souvenez-vous... Non, t'es pas né. Nous, on s'en souvient, on va vous le dire. Enfin, moi, je t'ai dit. En 1992, oui, ça va. En 1992, il y a un référendum pour ou contre les accords de Maastricht, ou Maastricht. Ceux qui étaient contre prononçaient systématiquement, ouais, c'est le même mot, hein, systématiquement Maastricht. Et à l'époque, il y avait un sémiologue très intéressant qui disait, c'est un coup de trick, c'est strict, c'est épouvantable. Bon, en plus, ça fait allemand, c'est une horreur. Un peu plus tard, les autres noms, l'autre disait Maastricht. Et un peu plus tard, l'un des cadres très important de l'Union européenne, qui s'appelait Bolkestein, a été évidemment, flétri. Par un surnom qui était celui de Frankenstein. Mais pour revenir à la géopolitique moderne et contemporaine, le problème de Daesh n'est pas tellement la prononciation ISIS en anglais, Daesh, l'État islamique. Le problème, et là c'est vraiment une question de fond, est de savoir si oui ou non on l'appelle État islamique. Et si oui ou non on qualifie ces actes de barbares. J'ai eu affaire à un certain nombre de gens, des journalistes, des observateurs, qui, par souci de neutralité ou d'objectivité, je dis bien de neutralité ou d'objectivité, des gens qui sont insoupçonnables d'être favorables, évidemment, à l'Italie, mais qui souhaitaient ne pas démoniser, a priori, un groupe futile, extraordinairement méchant et violent. Et c'est intéressant parce que ces deux dernières années, le terme de barbare, c'est autour de ce terme-là, accolé à celui de terroriste, qu'il y a eu le plus de débats. Fallait-il pas l'employer? Et pour, encore une fois, beaucoup de gens, il ne fallait pas l'employer, sous prétexte que ça entravait la libre réflexion, non pas sur le fait de l'approuver ou pas, il ne s'agit pas, c'est pas d'approuver leurs actes, mais néanmoins de ne pas faire comme si nous ne l'étions pas. Et l'argument de revenir systématiquement, oui, mais les terroristes et les barbares, eh bien, les Allemands, l'occupant allemand, qualifiait les résistants de terroristes et de barbares, donc il faut faire très attention. Et là, je suis extrêmement gêné parce que je pense que, on est vraiment au cœur du débat, il n'y a pas à relativiser sous prétexte qu'il y a eu aussi, des actes de barbarie commis par ceux qui aujourd'hui sont d'antidémocrates, bon, nous, hein, enfin la plupart entre nous, on va dire ça comme ça, bon, la plupart, l'immense majorité du monde arabe musulman, qui ne pratiquent absolument pas ce type de politique, qui en est même victime hein, de la barbarie, pour le coup, de l'État islamique, ça se traduit par, encore une fois, des débats de fond dans les rédactions, au sein des universités, dans les comités de rédaction d'un certain nombre de journaux ou de revues qui sont censés traiter les relations internationales.
Un point quand même, pour ce qui, alors, ce que je connais un tout petit peu moins mal que tout le reste sur la planète, c'est-à-dire le Proche-Orient et le conflit israélo-arabe et Jérusalem, qui a été très très bien traité tout à l'heure par Vincent Lemire, et sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai ma thèse de doctorat sur Jérusalem, d'ailleurs j'en ai vraiment marre, donc je suis très content que tu m'aies pas invité là-dessus, parce que j'en ai ras-le-bol. Maintenant je laisse à d'autres le soin d'en parler, pour l'instant d'avoir marre de Jérusalem. Bon. Donc, et on a là... Un terme qui n'existe pas, le terme de barbare, n'existe pas en hébreu, il n'existe pas en arabe. C'est intéressant. Hein. Alors il y a des termes très dévalorisants, je vous rassure. Hein. Il y a tous les noms d'oiseaux, hein. Pas le terme de barbare. Comme si l'acception originelle, peut-être, ou en tout cas ancienne et antique, alors d'étrangers sous une forme, sous une autre, au fond, n'était pas réellement intéressante. N'avait pas fait l'objet d'un véritable intérêt politique de la part des gouvernements en place. Or, Dieu sait si malheureusement il y a eu des conflits entre les Israéliens et les Palestiniens. Dieu sait si aujourd'hui, en Syrie, depuis plusieurs années, il y en a. Je ne retrouve toujours pas le terme de barbare. Et je citerai quelqu'un qui, à mon sens, en est un tout de même, hein, bien qu'étant vêtu d'un costume et d'une cravate impeccable en permanence, à savoir le président syrien Bachar al-Assad, il ne considère pas ses opposants comme des barbares. Il appelle ça systématiquement des terroristes. Et c'est intéressant, hein, parce que on a vraiment là quelque chose qui, au proche, au Moyen-Orient, ne correspond pas à la très haute criminalisation du terme qui correspond aujourd'hui, en revanche, hein, à celui qui correspond, pardon, en Europe et en France en particulier. On a bien cette idée du transfert du mot barbare vers les mots terroristes. Ça rappelle ce que disait tout à l'heure Vincent Lemire autour des transformations des usages de certains lieux à Jérusalem. Il y a transformation des lieux, transformation des découvertes archéologiques également. Et il y en a toujours des mots qui sont réutilisés pour requalifier l'ennemi. Est-ce que d'un côté comme de l'autre, dans l'Antiquité et le Moyen-Âge comme à l'époque contemporaine, vous avez comme ça des exemples de lieux qui ont été réutilisés pour qualifier soit celui qui l'utilisait, soit celui qui l'a possédé une nouvelle fois, ou possédé pour la première fois, comme étant soit le lieu de la civilisation, soit le lieu de la barbarie. Comment est-ce que le baptême nouveau d'un lieu permet de le qualifier comme étant un mauvais lieu ou un bon lieu ? Je ne sais pas si les termes sont bons. Ah, vous avez un certain nombre de lieux, effectivement, qui sont liés à la barbarie. C'est évidemment les lieux qui ont été pris et mis à sac. Alors, en Occident, on pense tout de suite à Rome. Toute l'histoire des temps anciens a été faite à partir du sac de Rome, pas du sac de Rome de 410 par les troupes d'Alaric, mais du sac de Rome par les troupes de Charles Quint. Parce que pour les humanistes, c'est le symbole même de la destruction de la civilisation. L'idée qu'on ait pu prendre la ville du pape, où il y avait une somme d'œuvres d'art considérable, qu'on maltraite les populations, parce que là on a aussi quand même la notion de crime de guerre qui apparaît, et qu'on ravage toute une civilisation en train de renaître, là vous avez l'idée vraiment que le lieu marque. Mais curieusement, le lieu, il est rarement situé chez les barbares. Alors bien sûr, à travers toute l'histoire, vous avez un certain nombre de lieux qui sont supposés très lointains, où il se passe des choses bizarres. Vous avez Uppsala en Suède, où il y aurait des temples avec des gens qu'on pend pour rendre un culte à Wotan. Vous avez toute une série d'endroits où on étend les peaux des empereurs romains qui ont été capturés en Perse, on les tend en pourpre et on les montre. Donc il y a une série de lieux qui sont liés vraiment à l'histoire de la barbarie de l'autre. Et c'est plutôt le lieu ravagé qui, à mon avis, a du sens. Et d'une certaine façon, après 1944-1945, vous avez toute une série de lieux en Europe qui ont été sanctuarisés comme étant les victimes absolues de la barbarie. Et je pense que c'est ces lieux chez nous qui ont finalement beaucoup plus de sens. Les génocidaires Hutu en 1994 au Rwanda reprochent, le mot est faible, pardonnez les méthodes, reproche à leurs victimes machetées l'usage du tambour. Alors, il n'était plus utilisé, ce tambour. Mais le tambour avait été, jadis, le symbole de la monarchie au Rwanda. Or, le monarque était toujours un Tutsi. Et ce tambour était, lorsque les Hutus arrivent au pouvoir en 1958, il est définitivement interdit sous peine de mort. Non seulement on ne peut plus l'arborer en dessin, en sculpture, en peinture, et on ne peut plus disposer, on ne peut plus avoir un tambour chez soi. Aujourd'hui, en Occident, et plus particulièrement dans les pays qui ont été occupés par les nazis, lorsque on vous projette une croix gammée, je pense très franchement que c'est l'un des, sinon le symbole immédiat
de ce qu'on se représente comme étant la barbarie. En même temps, pensez à ces photos du mémorial de Phnom Penh S21, où on torturait les pauvres, les Khmer rouges maoïstes, torturaient leurs victimes civiles avant de les assassiner. Et on prenait toujours en photo d'abord les victimes. Au moment où on les prenait en photo, elles n'avaient pas encore été torturées. Donc c'est des visages, j'allais dire, entre guillemets, normaux, qui ne sont pas tuméfiés. Bon. Mais à partir du moment où vous savez à quoi correspond cette photo, mais pareil d'ailleurs pour les photos des victimes du génocide du juif, enfin, ou des tziganes, ça vous renvoie automatiquement, non pas à l'image du terrorisme, les nazis ne sont pas perçus comme ayant été un régime terroriste, mais un régime réellement barbare. Hein. J'avais vu ça pour préparer cette tableau, j'avais regardé le nombre d'occurrences qui se trouvaient dans les ouvrages publié en France sur le nazisme. Et le qualificatif quantitativement plus important, c'est le terme de barbare. Je note un point important, tu as insisté à deux ou trois reprises sur le terme civilisation. La civilisation ne correspond bien évidemment pas à la barbarie. Je veux dire par là, là on n'est plus dans l'acte barbare, on est dans ce qui échappe au raffinement, car la civilisation, par définition, correspond toujours à une forme de raffinement. Je reviens à mon Proche-Orient, beaucoup étudié et enseigné depuis maintenant des décennies. Il a pu arriver, je l'ai entendu, je l'ai lu, que des militants palestiniens considèrent le mouvement sioniste, puis l'État d'Israël, comme étant, encore une fois, le terme n'est pas utilisé, mais comme relevant d'une forme de grande violence. Violence, pas violence forcément physique, mais violence au sens de l'apport d'une culture, de valeur, d'une technicité qui n'était pas locale, autrement dit plutôt l'étranger. En revanche, du côté israélien, lorsqu'il y avait une stigmatisation, une détestation de l'autre, alors l'autre c'était évidemment l'arabe et le palestinien en particulier, ça ne portait pas non plus là-dessus. On se prévalait effectivement, là aussi, d'être dans la civilisation, mais pour les mêmes raisons. Parce que, quand même, on disposait, on avait apporté, on avait travaillé un vrai progrès technique, technologique, y compris en termes de médecine, qui plaçait quand même cette culture et cette société, en l'occurrence israélienne, du côté de la civilisation, tandis que vraiment ces Arabes, ils restaient dans le Moyen-Âge. Vous voyez, c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est un terme que j'aime bien, mais la perception négative ou stigmatisante de l'autre ne se fait pas nécessairement sur les mêmes critères, n'est pas nécessairement de même nature. On peut stigmatiser un autre en tant qu'étranger, on peut stigmatiser en tant que dégoûtant, en tant que n'ayant aucun humour, en tant qu'étant violent, en tant qu'étant tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois, ça peut réellement diverger. Bon, on revient à ce qu'on disait, ce qui est le civilisé ou le barbare pour l'un n'est pas exactement le civilisé ou le barbare pour l'autre. Les critères changent. Pendant que vous expliquiez l'un et l'autre, à partir de compétences particulières, je pensais à la Révolution française et au fait que les révolutionnaires se sont dénommés eux-mêmes dès le début sans culottes, pour pouvoir se différencier symboliquement par le pantalon de ceux qui avaient des culottes bouffantes, qui étaient des aristocrates à Versailles, autour du roi, les partisans du régime ennemi qu'il fallait détruire. Et je me demandais si aujourd'hui on n'avait pas un petit peu les mêmes qualificatifs, je vais revenir un peu sur mon dada tout à l'heure, mais autour de la présence de la barbe hirsute, en disant, est-ce que la barbe aujourd'hui n'est pas un symbole qui va être complètement tourné, organisé autour de la définition du terrorisme islamiste, du terroriste islamiste. Et je me demandais comment on pouvait l'interpréter, c'est ma dernière question, après vous aurez la parole, je me demandais comment on pouvait incarner cette visibilité de l'ennemi, parce qu'il y a des mots pour ça, il y a des lieux pour ça, mais il y a aussi une visibilité symbolique par l'apparence extérieure. Conan le Barbare, évidemment, était dérivé un avatar d'aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse là, c'est le lien entre la visibilité physique de l'ennemi à travers un certain nombre de ces symboles-là, et aussi son lien avec une morale douteuse que Bruno Dumézil a commencé à faire tout à l'heure. Et là, on a tous les récits
de ce que sont les terroristes islamistes de Daesh et de l'État islamique, peu importe le nom qu'on donne, enfin pas peu importe justement, mais là c'est pas très grave, autour d'une morale douteuse qui ne sait pas quelle est son orientation politique réelle, si ce n'est la destruction, qui ne sait pas quelle est sa capacité à construire un environnement social, un environnement familial qui lui permette la stabilité. Est-ce que finalement, la question du mot, la question de la visibilité, la question de la morale n'identifie pas quelqu'un qui va être stable, donc digne de confiance, alors que l'inverse sera la définition de cet ennemi, instable, c'est-à-dire indigne de confiance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la continuité historique ou est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine de l'hyper contemporain ? Tiens, ma question est complexe, hein, mais je vais essayer de commencer avec ma barbe. Le poil, indiscutablement, depuis l'époque grecque, les Grecs sont des gens qui s'épilent, donc si vous n'êtes pas grec, vous ne vous épilez pas ou vous ne vous épilez pas au bon endroit. Donc vous avez le trop poilu qui n'est pas bien, celui qui n'a pas de poil, c'est pas bien non plus. Donc il faut absolument un entre-deux. Et vous avez cette idée-là qui est toujours présente chez les Romains au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a une admiration sans bord pour les guerriers musulmans. Enfin, quand même, quand on les tue, hop, on regarde dans le pantalon, oh, ils sont complètement épilés. Et ça va pas. Vous avez cet élément pileux qui sert à travers toute l'histoire à représenter la barbarie. Quand on représente les rois barbares qui ont vécu au 4e, 5e siècle de notre ère, au 19e siècle, on leur ajoute des barbes, toujours. Parce que c'est le code graphique qui sert à représenter l'allemand au 19e siècle. Donc on le représente comme un professeur, quelqu'un qui est un allemand, donc forcément barbu. Et d'une certaine façon, vous avez des jeux qui sont très présents. Vous étiez amusé à vous mettre Conan le Barbare, mais regardez le Conan le Barbare de 1980. Belle carrière politique, car Conan le Barbare. La politique, la barbarie n'est pas toujours incompatible avec la réussite. C'est intéressant, ici vous avez le barbare acceptable. C'est-à-dire qu'il y a du poil, il a une culotte en fourrure. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'épile complètement le corps. Donc vous avez quelqu'un qui est à la limite entre le possible et l'impossible. Même chose, regardez les cheveux, cheveux longs, sans doute des idées courtes, on ne regarde pas, mais en même temps, pénible. Et vous avez l'image de ce dont rêvent les États-Unis des années 80, c'est-à-dire l'apport de populations qui viennent d'un espace un peu sauvage, l'Autriche par exemple, enfin des gens qui viennent de loin, plutôt blancs quand même, il ne faut pas exagérer, mais acceptables. C'est-à-dire que vous avez votre barbare à vous qui va régénérer la civilisation. À la même époque, les ennemis de Conan le Barbare sont tous soit trop poilus, soit complètement épilés. C'est-à-dire que vous avez des façons de représenter le bon, le mauvais, le digne de confiance et le perfide avec des codes graphiques qui sont encore vivants dans le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont très présents, soit les couleurs, soit les motifs, soit les poils, qui vous permettent immédiatement de reconnaître qui est le bon, qui est le méchant, y compris dans les séries actuelles. Avec notamment un jeu très particulier sur la barbe. La barbe est-elle taillée? La barbe est-elle hirsute? Selon le cas, vous avez une image ou l'autre de la barbe. Il y a d'ailleurs barbe en barbarie. Je pense que personne, ça n'aura échappé à personne. Le barbare, attention. Attention. C'est parfois celui qui est tellement dissimulé qu'il faut l'extirper du corps de la nation, du corps collectif dans lequel il essaie de s'incruster précisément en se dissimulant. Les nazis ne disaient pas autre chose. Des juifs totalement assimilés, allemands, parlaient aussi bien, sinon mieux allemands qu'eux, et qui étaient d'origine juive et qui avaient déjà eux-mêmes totalement oublié. On allait les rechercher jusqu'à 2, 3, 4 générations. Ils faisaient exprès de se dissimuler. Les nazis avaient beaucoup moins peur du rabbin orthodoxe avec sa grande barbe et ses papillotes, parce que là, de toute façon, on le voyait, on savait très bien où il se mouvait, et de toute façon, lui ne voulait pas aller conquérir la femme allemande. Donc ça tombait très bien. Donc il faisait moins peur, paradoxalement. Attention, pareil pour le Tutsi, qui n'avait pas sa pièce d'identité, qui essayait de se dissimuler et de dissimuler son nez Tutsi en se faisant passer pour un bon, c'est-à-dire pour un Hutu. Parfois, le barbare est justement celui qui se cache. Deuxième point, les islamistes, oui, bien sûr, la barbe, mais là, vous avez toute une série, vous avez une scénographie du poil, et notamment, alors c'est fondé sur des interprétations très cultuelles, et pas seulement folkloriques, de plusieurs versets du Coran. Vous retrouvez ça d'ailleurs aussi dans des textes sacrés juifs. Vous ne passez pas la lame sur plusieurs points du visage. Alors, par conséquent, vous n'avez pas vous abuser à slalomer, puisque tel et tel point est interdit, on ne se rase pas du tout, puis c'est, bon, et puis c'est marrant. Mais attention, parce que vous avez un certain nombre de terroristes, d'islamistes radicaux, qui ont été attrapés
avant, qui ont renoncé in extremis avant de se faire exploser, on a retrouvé notamment en Inde et en Israël. Et bien évidemment, on les fouille, on regarde ce qui se passe, et ils sont totalement épilés, et ils se sont bandés le sexe avec des bandelettes molletonnées, pour se protéger le sexe avant d'arriver comme il faut, correct, devant leurs 72 vierges promises. Et ils étaient totalement rasés, et totalement épilés, et rasés sur le reste du corps. Et parfumé pour arriver. Vous voyez, on a une scénographie à du poil très intéressante. Hein. Or, ces gens-là, à mes yeux, et je ne suis rien de personne, mais quand même, ce sont pour le coup d'authentiques barbares au sens de la criminalité que j'évoquais tout à l'heure. Troisième point, on a au sein même d'une population donnée, population de type religieuse, ethnique, culturelle, appelez ça comme vous voulez, bref, au sein d'un collectif, là, l'accusation d'être un véritable barbare, cette fois-ci pas au sens criminel, mais au sens ringardissime du terme, au sens inculte du terme. Et je pense, je reviens à ma route proche orientale, je reviens à ces mots et à ces affiches du mouvement sioniste au début 20e et jusqu'au milieu du 20e siècle, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, hein, dans certains points laïcs de la société israélienne, où on qualifie l'orthodoxe, autrement dit, le juif très pratiquant, avec sa barbe, avec ses papiers, donc pour le coup, alors hirsute, en tout cas, avec doté d'une barbe importante, une redingote noire, on le traite réellement de tous les noms, en se moquant, considérant qu'il vient réellement des très fonds du Moyen-Âge. Seulement, l'autre, cet orthodoxe-là, considère que lui est cultivé, et que l'Israélien moyen de Tel Aviv en face, lui, est un inculte, et par conséquent, quelque chose qui ressemble très fondamentalement à ce qu'on aurait peut-être appelé un barbare en d'autres temps. Et puis enfin, un mot sur, encore une fois, sur les aspects extraordinairement contemporains, géopolitiques et juridiques. Hein. Aujourd'hui, en droit international, on ne parle pas de barbare, on parle d'actes de barbarie. Les génocidaires qui ont été, condamnés par le tribunal pénal international d'Arusha en Tanzanie, en général les peines lourdes et parfois qui purgent leur peine à perpétuité, hein, de réclusion à perpétuité, ils ont commis des actes de barbarie. Personne n'a jamais dit « vous êtes un barbare et par conséquent vous allez en droit, ce sont les actes, vous êtes jugé sur vos actes, non pas sur votre atavisme fondamental, intrinsèque, etc. Bon. » Donc vous voyez, et c'est quelque chose qui est entré dans le droit commun. Hein. Donc vous voyez, je pardon d'insister là-dessus, hein, mais là on parle moins de barbares, quelle que soit l'acception, que d'actes, et qui sont des actes hautement criminels, et encore une fois, je le répète, en général, de type et de nature génocide. Bien, merci beaucoup à tous les deux de cette revisitation sur 2000 ans de la transformation du concept de barbarie.